Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Père Saint Jean, priez pour nous. Saint Antoine le Grand, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de commencer la vidéo, vous pouvez... Alors le premier thème qui a été choisi, c'est la miséricorde. Et les textes que j'avais suggérés, c'est Exode 32, Deutéronome chapitre 4 à 6, le prophète Osée des chapitres 9 à 11, et puis Luc chapitre 15 et l'évangile selon saint Jean chapitre 8 et 9. Alors, je vais juste donner quelques éléments qui puissent nourrir un peu notre réflexion sur la miséricorde, et puis ensuite nous pourrons échanger. Alors, dans le livre de l'Exode, Exode 32, c'est le passage du veau d'or, et donc l'infidélité du peuple. Et on voit que face à l'infidélité du peuple, Dieu se met en colère et dit « je vais les exterminer, ça suffit ». Alors bien sûr, hein, c'est un langage, on dit, anthropomorphique. Dieu il n'est pas de mauvaise humeur, vous voyez. Et Dieu, il ne change pas d'avis non plus. Mais... ce qui est intéressant, c'est la place que prend Moïse. Moïse se fait l'intercesseur du peuple. Et Moïse plaide avec Dieu pour que Dieu ne déchaîne pas sa colère contre le peuple. Au livre de l'Exode, au chapitre 32, Moïse se fait l'intercesseur du peuple. Et Moïse dit à Dieu, tu dois leur pardonner leur infidélité, non pas parce qu'ils sont bons, non pas parce qu'ils le méritent, mais pour l'honneur de ton nom. Alors c'est un peu bizarre même la manière dont Moïse argumente, parce qu'il dit, si tu les extermines, que vont dire les Égyptiens? Ils vont dire, tu les as amenés au désert, mais en fait c'était pour les exterminer. Pour l'honneur de ton nom. Pourquoi c'est important ça? C'est quelque chose qu'on retrouve après dans l'Ancien Testament. Souvent, les prophètes disent que Dieu pardonne au peuple, mais pas parce que le peuple le mérite. Dieu pardonne au peuple parce qu'il est bon. Parce que Dieu est bon. Le peuple, lui, ben, il n'est pas terrible. C'est la gratuité de la miséricorde. Dieu nous pardonne... parce qu'il est bon, parce qu'il nous aime, non pas parce que nous le méritons. Tous les dons de Dieu, ils sont des dons gratuits. Saint Thomas d'Aquin, il dit que dans tous ses actes, Dieu, il est juste et miséricordieux. Il y a la justice et la miséricorde dans tous les actes de Dieu, on pourra en parler, vous avez peut-être des questions là-dessus, c'est d'ailleurs très mystérieux. Mais il est toujours d'abord miséricordieux, parce que Dieu ne doit rien à sa créature. Tout ce que Dieu nous donne, il le donne pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il est bon. Et Moïse, c'est beau la manière dont il plaide avec Dieu, parce qu'on voit que il prend la place du peuple pécheur. Et là, il est vraiment une préfiguration de Jésus. Moïse, il dit, non, ne les extermine pas, tue-moi. C'est ça, là, c'est vraiment, il préfigure ce que Jésus fera, hein, puisque Jésus, il a pris sur lui nos fautes. Comme dit saint Paul, Dieu, celui qui était sans péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. C'est important par rapport à la miséricorde, parce qu'on verra que la miséricorde implique toujours un risque. La miséricorde,
c'est pas un truc facile, quoi. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que je vous avais suggéré de lire le chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, parce que le chapitre 8 de saint Jean, c'est le passage où on voit que Jésus pardonne à la femme adultère. Vous savez, au début, les pharisiens, les scribes lui posent la question: Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là, toi, que dis-tu? Et puis, on ne va pas relire tout le chapitre, vous connaissez l'histoire, mais à la fin du chapitre 8, après une discussion assez violente avec ces personnes, on voit que ils ramassent des pierres pour lapider Jésus. Et en fait, on se dit que ben, Jésus, il a exactement pris la place de la femme adultère. Vous voyez? Les pierres qui étaient prêtes pour lapider la femme adultère, à la fin, elles sont ramassé pour lapider Jésus. Et la miséricorde, c'est toujours un peu comme ça. C'est pas la miséricorde que Dieu a pour nous et la miséricorde qu'il nous demande d'exercer les uns envers les autres. C'est quelque chose de risqué. C'est quelque chose où on paye de sa personne. Ça peut pas être juste un acte un peu facile de condescendance ou d'indulgence, de dire ah ben c'est bon, non mais ça va. Et, enfin, on fit comme si rien ne s'était passé. Non, non, c'est beaucoup plus exigeant que ça. On va revenir là-dessus, parce que c'est très important de voir que la miséricorde, c'est à la fois gratuit, et en même temps, c'est très exigeant. C'est les deux. Alors, les chapitres 4 et 6 de 4, 5 et 6 du livre du Deutéronome, ils nous montrent le don de la loi. Et Moïse dit, quel est le peuple dont le Dieu est si proche de lui comme Dieu est proche de nous? Et Dieu est proche de nous, pourquoi? Parce qu'il nous éclaire par sa loi. La miséricorde, c'est pas juste Dieu qui nous pardonne nos péchés. Tous les dons de Dieu sont des dons de miséricorde. La miséricorde qu'on doit avoir les uns pour les autres, c'est pas juste nous pardonner les uns aux autres. C'est, par exemple, quand saint Thomas d'Aquin parle de la miséricorde, il parle de la miséricorde temporelle et de la miséricorde spirituelle. Alors, miséricorde temporelle, on voit ce que c'est. Vous voyez, c'est donner à manger à celui qui a faim. Visiter les malades, etc. Et la miséricorde spirituelle, c'est quoi? Ben, c'est prier pour quelqu'un, communiquer la vérité à quelqu'un, la correction fraternelle. Tout ça, c'est des actes de miséricorde spirituelle. Et donc, quand Dieu nous éclaire par sa loi, c'est un acte de miséricorde qui manifeste sa sollicitude, sa proximité à notre égard. Mais le don de la loi, il demande une réponse. Et c'est là où encore on est face au même paradoxe. Le don de la miséricorde de Dieu, il est gratuit, mais en même temps, il est super exigeant. Dieu donne sa loi à son peuple qui ne la mérite pas, mais en même temps, Dieu, eh ben, il demande au peuple d'obéir à cette loi. Et ça, c'est toujours comme ça. On voit ça, je trouve, dans l'Évangile selon saint Matthieu, la parabole des deux débiteurs, au chapitre 18. Et l'histoire de ce premier débiteur qui doit une somme incommensurable à son maître, sa dette lui est pardonnée sans condition, sans délai, annulée. Et puis il sort et puis il refuse d'être patient avec un autre qui avait une dette envers lui. Et donc son maître le rappelle et lui dit, bah, puisque c'est comme ça, puisque tu n'as pas pratiqué la miséricorde, ben, concrètement, tu vas en enfer. Donc la miséricorde qui t'était donnée à toi gratuitement, hein, en fait, tu ne la reçois pas. Parce que tu n'as pas répondu, tu as fermé ton cœur. C'est toujours gratuité et exigence. Hein. Et puis, dans le livre du Deutéronome, on voit que la tentation fondamentale, c'est de refuser cette réponse. Enfin, pas que dans le livre du Deutéronome,
Dans toute l'Écriture, on voit que la tentation fondamentale, c'est de refuser cette réponse à Dieu. On voit, vous voyez, Adam et Ève qui refusent d'obéir par orgueil. Et puis jusque dans l'Évangile, quand Jésus parle du blasphème contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire de fermer son cœur, de durcir son cœur pour refuser de recevoir l'Évangile. Dans le livre d'Osée, on voit ce contraste qui est constant dans l'Ancien Testament, mais qui est aussi constant dans nos propres vies, entre l'infidélité chronique du peuple et la fidélité inlassable de Dieu. Parce que l'Ancien Testament, c'est pendant 2000 ans, Dieu qui fait une alliance avec l'homme, l'homme qui est infidèle à l'alliance, à qui il arrive tout un tas de problèmes à cause de ça, et Dieu qui vient sauver l'homme, renouveler son alliance, à nouveau l'homme est infidèle, et c'est comme ça pendant 2000 ans. Alors on peut se dire, oh quand même, ces Israélites, ils exagèrent, ils pourraient comprendre. Mais en fait, quand on regarde nos vies, ben, c'est la même chose. Mais concrètement, la fidélité de Dieu et l'infidélité de l'homme. Et dans le livre d'Osée, ça prend une tournure très, très... très très particulière parce que Dieu s'exprime en des termes presque maternels. Et c'est important de voir que Dieu est un père, mais un père qui est comme une mère. Et je pense que c'est dans Isaïe où il dit « Même si une mère pouvait oublier son nourrisson, moi je ne t'oublierai pas. » Je crois que c'est dans Isaïe ça. Mais dans le chapitre 11 de Osée, il y a des choses comme ça aussi. On retrouve un peu l'attitude du père dans la parabole du fils prodigue. Oui. Cette miséricorde inlassable, infiniment patiente. L'une des choses qui manifeste la miséricorde de Dieu, c'est sa patience. Alors, je trouve que ça pose une question concrète pour nous. Parce que Jésus, dans l'Évangile, nous dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Mais est-ce que c'est possible, ça? Vous voyez, on pense à la question de Saint-Pierre. Donc ça, c'est Matthieu, chapitre 18. « Quand mon frère pêche contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Et peut-être que Saint-Pierre imaginait que Jésus, ou espérait que Jésus allait lui dire, ben non, 3 fois ça suffit, vous voyez. Et en fait, non. Et en fait, Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Et là, on se dit, mais Seigneur, comment c'est possible ça? Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alors, faut pas oublier que dans ce chapitre 18 de Matthieu, juste avant, Jésus parle de la correction fraternelle. Quand ton frère fait quelque chose de mal, va le voir en premier, et en tête à tête, tu lui expliques ce qui ne va pas. S'il ne t'écoute pas, tu prends quelqu'un avec toi, tu y vas. S'il ne t'écoute pas, tu en parles. Donc, la miséricorde ne supprime pas une exigence de vérité et de justice. Vous voyez ? Être chrétien, ce n'est pas être éternellement le dindon de la farce. Vous voyez ? Mais en même temps, il y a cet aspect inlassable de la miséricorde. Pour voir aussi ce lien entre miséricorde et justice, très concrètement, on peut voir ça dans la première épître aux Corinthiens et la deuxième épître aux Corinthiens. Dans la première épître aux Corinthiens, il y a un homme qui est coupable d'inceste et saint Paul a des paroles d'une dureté à son égard. Il dit « Rejetez-le de la communauté, livrez-le à Satan ». Il dit, mais voilà, il était de mauvaise humeur ce jour-là, saint Paul. Non. Mais en fait, c'est en fait ce qu'on appellera plus tard l'excommunication. Il dit, je vous demande de le couper de la communauté. Pourquoi? C'est un but pédagogique, pour qu'il comprenne la gravité de ce qu'il a fait. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, c'est drôle parce que saint Paul dit, bon, ça y est, vous l'avez assez puni, je pense que maintenant, il faut le rappeler parce que ça va être trop dur pour lui. Donc on voit qu'en fait, c'est la miséricorde qui a le dernier mot. C'est jamais
juste la justice, quoi. Alors, pour revenir à la question de cette miséricorde que nous devons exercer, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est important de voir que le cas est différent s'il y a repentir ou s'il n'y a pas repentir. On peut toujours pardonner quelqu'un. C'est ce dont Jésus parle au chapitre 17 de Saint Luc. Si ton frère pèche 7 fois par jour contre toi et que 7 fois il revient et se repent, pardonne-lui. Donc quand il y a repentir, oui. Le pardon, il peut aller jusqu'au bout, il peut porter tous ses fruits. Quelqu'un qui ne demande pas pardon, quelqu'un qui ne se repent pas, voire qui est plutôt même satisfait du mal qu'il a fait, on peut aussi lui pardonner avec la grâce de Dieu. Mais là, le pardon ne peut pas porter tous ses fruits. L'union de charité, la réconciliation, elle peut pas se passer jusqu'au bout. Vivre de la miséricorde, ça ne veut pas dire... Ne pas voir le mal. Ah non. Et si quelqu'un me vole mon porte-monnaie que je lui avais confié, je peux lui pardonner, mais je vais peut-être pas lui confier mon nouveau porte-monnaie. Voyez? C'est important cette histoire, ça paraît peut-être un peu prosaïque, mais. Saint Augustin a un très beau commentaire de la première épître de Saint Jean. Vous savez, la première épître de Saint Jean, c'est tout au sujet de la charité fraternelle, beaucoup en tout cas. Et Saint Augustin pose cette question. Pourquoi Saint Jean, dans sa première épître, il dit toujours aimez vos frères, aimez vos frères, aimez vos frères? Parce que, après tout, aimer mes frères, c'est assez facile. Ce qui est plus compliqué, c'est d'aimer mes ennemis. Et Saint Augustin répond à sa propre question en disant, oui, mais j'aime mes ennemis pour que mes ennemis deviennent mes frères. Alors ça a l'air de rien, ça, mais en fait, c'est super important. Parce que, effectivement, j'aime pas mes ennemis dans une attitude un peu masochiste, et plus il est mon ennemi, et plus il me fait mal, et plus je l'aime. Vous voyez? Ben non. Sûrement pas. J'aime mon ennemi qui en fait est mon frère, même s'il ne l'a pas encore compris, même s'il n'est pas au courant, en fait il est mon frère. Pourquoi c'est important ça? C'est très exigeant, parce que si j'aime mon ennemi tout en le regardant avec les yeux de la foi et en voyant qu'il est mon frère, eh bien il me blesse encore plus, parce que je suis encore plus touché par ce qu'il fait. Mais pourquoi c'est important? Parce que c'est la manière dont Dieu nous aime. C'est Saint Paul qui dit ça dans l'Épître aux Romains. Alors que nous étions les ennemis de Dieu. Alors que nous étions les ennemis de Dieu, il nous a sauvés. Il nous a aimés. Saint Jean dit dans sa première épître, en cela nous avons connu l'amour, non pas que nous avons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés. Ça a l'air de rien, ça aussi, mais en fait, c'est très important. Voilà. Saint Paul aux Romains, au chapitre 5, verset 10, si étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Nous étions les ennemis de Dieu. Ça a l'air de rien, mais ça nous fait comprendre quelque chose du mystère de Jésus crucifié. Vous voyez? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quoi, Caïphe, il ne sait pas ce qu'il fait. Judas, Pilate, bon, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, hein. Mais Jésus, lui, il regarde dans le cœur de chacun celui qui est un enfant bien-aimé du Père. Et donc, celui qui peut encore se convertir. Et
s'est peut-être converti. Il y a une tradition comme quoi Pilate s'est converti. Je sais pas, on verra au ciel. Hein. On verra au ciel. Mais en fait, aimer nos ennemis, voilà, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, c'est quelque chose comme ça. C'est entrer dans un nouveau regard par la foi. Prendre conscience de tout ce que je reçois alors que je ne le mérite pas, de la part de Dieu. Et du coup, laisser cette miséricorde de Dieu changer mon regard sur mes frères. Ceux qui me sont sympathiques et puis ceux qui ne me sont pas sympathiques, ceux qui me font du bien et ceux qui me font du mal. Voilà. On va terminer par une petite prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal.